Ce mardi 23 mai 2023 avait lieu la montée des marches du film Asteroid City, de Wes Anderson, dans le cadre du Festival de Cannes. Pour l'occasion, Scarlett Johansson a foulé le tapis rouge. Et, comme à son habitude, elle a fait sensation seule ou accompagnée de son époux Colin Jost. Le 76e festival de Cannes bat son plein, et ce mardi 23 mai, CEST un film avec un parterre de stars qui va être dévoilé à Cannes. En effet, CEST pour découvrir Asteroid City de Wes Anderson que le tout Cannes s'est pressé sur les marches du palais des festivals ce jour. Après la présence du grand réalisateur Takeshi Kitano sur les marches, CEST autour d'un casting all-star, qui promet un film qui devrait à nouveau plaire aux nombreux fans du réalisateur. Dans un bus vintage, ils sont tous arrivés ensemble créant la surprise sur la croisette. CEST l'une des stars du film, Scarlett Johansson qui a capté toute l'attention, dans une somptueuse robe rose, au bras d'Adrien Brody avant de retrouver celui de son mari Colin Jost. Difficile de ne pas tomber sous le charme de Scarlett Johansson et ce soir d'autant plus. L'actrice a fait crépiter les flashs des photographes ce soir dans sa longue robe de couleur rose à bretelles fines. Mais pas que. Sa tenue était originale puisqu'elle était blanche au niveau de la poitrine. Son dos était dénudé, laissant ainsi visible le gros et beau tatouage qu'elle a. L'actrice a posé seule, avec l'équipe du film ou complice avec son mari Colin Jost. Un casting qui rayonne Adrien Brody s'est aussi fait remarquer, très élégant en costume. Étaient aussi présents Tom Hanks, Maya Hawke, Adrien Brody, Bill Murray, Steve Carell, Rita Wilson, Rupert Friend et Matt Dillon. Sans oublier Wes Anderson, venu en famille. L'actrice qui a gagné un Oscar, et interprété une héroïne Marvel durant des années est aussi devenue maman d'une fille rose, 7 ans, fruit de ses amours passés avec le français Romain Dauriac. Lorsqu'elle ne tourne pas ou ne s'affiche pas sur tapis rouge, Scarlett Johansson profite donc de cette petite fille qui fait son bonheur, et qui sait même parler français, avec son père. Dans cette comédie dramatique américaine coécrite et réalisée par Wes Anderson et dont la sortie est prévue pour 2023, on découvre l'histoire d'Asteroid City, une ville fictive du désert américain, en 1955. La convention Junior Stargazer rassemblant des élèves et parents de tout le pays pour une compétition érudite, va être l'occasion pour eux de s'amuser et profiter. Un casting 5 étoiles comme Wes Anderson en a le secret puisqu'on y retrouve Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber mais encore Maya Hawke. Fille d'Uma Thurman, Steve Carell et Matt Dillon pour ne citer que.